Soir, le grand témoin, mesdames, messieurs, sans doute le meilleur défenseur central du monde, Chris. Merci d'être là, Chris. On va parler de l'Olympique Lyonnais, on va parler de ton retour et puis on va parler en général du football. Tu veux bien? Oui, ça va, tout va bien. Eh bien, tout va bien. Là, ça va aller un petit peu moins bien pour toi puisqu'on sera accompagné de Serge Collomb. On va parler de l'entraînement, c'était ce matin. On va parler aussi avec Anthony Réveillère, qui nous parle de Wendel. On aura aussi une analyse un peu sur les différents buteurs de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, Benzema, qui est en train de les remonter petit à petit. Et puis on aura un petit reportage aussi sur Patrick Muller, qui a la même blessure que Chris. Et justement, pour Patrick Muller, l'exemple, c'est Chris. Eh bien, très bien, on en parle dans un instant. On s'accompagne de Marilyn le mardi, c'est la rubrique média. On a parlé de la belle prestation de Mathieu Bonnemer, notamment, un superbe but ciseau, on va voir ça tout à l'heure. On a parlé de la sortie de Karim Benzema, évidemment un petit peu énervé, un peu râleur Karim Benzema. Il en était beaucoup question dans les médias ce week-end. Un petit conflit aussi entre Jean-Michel Aulas et puis la presse, notamment le magazine L'Équipe. Vous verrez ça dans un tout petit instant. Et puis on aura également un petit extrait très sympa, parce qu'on a presque fait du karaoké du côté Lyon. Très bien, on verra ça en fin d'émission, aux alentours de 19h45, on est en direct. Serge, un petit bonjour personnel, hein, je crois. Du petit Mathéo. Donc on va saluer, il nous regarde, il a seulement 77 ans. Le petit Mathéo, on lui fait un gros bisou au copain. Voilà, salut mon pote. Et tout de suite, ce que je te propose, Marilyn, c'est de dresser le portrait de Chris, si tu veux bien. Petite chose pour commencer, déjà, vous souvenez peut-être du précédent passage de Chris dans l'émission. Je l'avais replongé dans l'ambiance brésilienne avec un cours de caipirinha. Tu t'en souviens peut-être? Il rentrait tout juste du Brésil, Chris. C'était pour faciliter l'intégration. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire facilement, hein, lorsque l'on regarde ces trois seuls derniers matchs, c'est Lille, Bordeaux et Manchester, c'est que le cours de caipirinha était très efficace et que l'intégration est réussie. Je m'en réjouis. Voilà, ça c'était la petite introduction. Chris, quatre lettres avec lesquelles il s'est imposé en France, voilà, bientôt 4 ans. Chris a la gueule de monsieur propre, les sourcils sombres de costaud, le crâne rasé du mec qui fait le ménage avec talent. Depuis son arrivée à Lyon en août 2004, il n'a laissé aucune chance à ses concurrents, Chris. Eric Abidal, recruté le même été, a finalement dû se résigner à jouer latéral gauche avec le succès qu'on lui connaît. Patrick Muller, revenu postuler à l'OL quelques années plus tard, s'est fait une raison aussi avant de se faire les ligaments. Sans parler de Boubou, Jean Labounzon, qui depuis 2 semaines fait un peu la moue. Cette saison n'a pourtant pas été aussi simple que les précédentes pour Chris. Blessé 6 longs mois, le policier a quitté les terrains de Tolavologe après un match noir à Toulouse. Quitté le vestiaire lyonnais pour rentrer au Brésil se soigner. Un grand vide. Vide qu'il a fallu combler, Capitaine Claudio étant parti, le virus des croisés commençant à se répandre dans la circonscription des arrière-centraux. Kléber, puis Jean-Alain ont fait leur entrée dans la famille OL. Kléber, un compatriote, Henri Verdet. Jean-Alain, un compatriote, monsieur propre. Et oui, lui aussi, il a le crâne de celui qui fait le ménage. Sauf que pour l'instant, c'est plutôt le banc qu'on lui demande de serrer. Oh! Des compatriotes, je le disais, oui, mais entre compatriotes, pas de gentillesse gratuite non plus. Hein. Le policier, à nouveau armé, réclame sa place, sans terreur, mais avec fermeté, comme lors de déclarations à l'issue du match de CFA. Je suis prêt pour Manchester, avait-il lancé aux journalistes venus assister au premier tacle du champion. Certains éminents spécialistes ont écrit qu'il n'était pas prêt pour disputer un match international de très haut niveau. On est à la limite de l'outrage à Jean, là. Cristiano Marques Gomez a réalisé le retour impossible. Quel grand joueur est déjà revenu aussi vite à un tel niveau? C'est comme s'il n'avait jamais arrêté. Hein.
Avoue-le maintenant, Chris, tu n'étais pas blessé. Tu t'es déguisé pour déjouer les journalistes, avoue-le, quelque part dans un coin reculé d'Amérique du Sud. Enfin, au fond, peu importe. Force de caractère, droiture, conviction, notre Chris a réinvesti le vestiaire autant que le terrain et peut-être bientôt les tribunes. On se souvient tous hein, de son bond dans le virage nord à Gerland. L'OL venait de battre Le Mans pour le 5e titre. Et pour Chris, la fête avait commencé et c'était d'abord avec les supporters lyonnais, planté debout au milieu du COP, le micro dans la main et le sourire plus que jamais libéré. Revoir Chris entrer sur la pelouse, c'est un peu comme retrouver une partie de la famille, une partie d'autorité, un peu d'assurance, beaucoup d'espoir. L'avantage avec Chris, c'est qu'en 2011, date de la fin de son contrat, en 2011 ou avant d'ailleurs, il ne risque pas de s'en aller rejouer au Brésil. Il a toujours une suspension de 6 mois qui traîne depuis 2004 et une grosse bagarre là-bas. Et oui, le policier est interdit de séjour. C'est un grand. Pour peu que la fédé brésilienne s'en souvienne. Bon, je terminerai en rappelant que ce monsieur est certes sensationnel, mais il n'est pas le seul. Eh non, j'ai vérifié. Des crises, il en existe des tonnes, 15120 plus exactement, si si. Au Québec, c'est la plus grande nation autochtone d'Amérique du Nord, les Cris. Ah oui? Je vous le jure. Et vous qui savez déjà absolument tout sur le défenseur que nous recevons ce soir, ben vous aurez ainsi peut-être appris quelque chose dans ce portrait. Bravo Marie.